Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui nous sommes Noël, donc nous allons faire pas n'importe quelle vidéo, une vidéo d'un jeu de Disney. Donc vous le voyez, un dessin animé qui a marqué notre enfance. Moi personnellement, ça a marqué mon enfance, je pense à beaucoup de gens. Il s'appelle Le Royaume. Donc tout le monde s'en souvient de l'histoire du roi Lion. Hein. C'était Mufasa, le père de Simba, qui était roi. Il a été tué par Scar. Scar est devenu roi. Simba, adulte, il a retrouvé Nala. Après, elle a cru qu'il était roi. Et du coup, lui, il a pris la place de Scar en tant que roi. Vous voyez, là, c'est l'introduction, c'était le cimetière des éléphants, comme dans le royaume. Donc, nous allons commencer ce test. Déjà, le roi Lion, il est sorti en 94. Il est sorti sur Super Nintendo, sur Game Gear, sur Mega Drive, il y a eu Master System. Je crois Game Boy aussi, mais je suis pas sûr. Donc, dans les options, on peut voir qu'on peut choisir la difficulté, s'il y a des musiques et tout. Je vais arrêter de parler un petit peu de temps en temps parce que il faut que je vous laisse écouter les musiques. Les musiques. Oh. En fait, les musiques reprennent vraiment le dessin animé. Ça, pour ça, la Mega Drive, elle a la capacité d'adapter des films en jeu vidéo. Donc voilà. Là, nous avons le lionceau, donc c'est Simba. Mais plus tard, on peut prendre le lion adulte. Donc, alors là, c'est la barre de rugissement parce qu'on peut rugir pour faire peur aux méchants. Là, c'est nos vies et là, c'est la barre d'énergie. Je vous laisse un peu écouter les musiques. Vous avez vu, hop, ça s'est baissé, là, ça se recharge. Que je puisse le refaire à nouveau. Bon, parlons un peu quand même du gameplay. Il n'y a rien à dire, moi personnellement. Il répond quand on veut. Il met pas 3 ans à répondre. Donc là, c'est un checkpoint. Si on meurt dans ce niveau, on revient. J'ai tapé le checkpoint. Alors, je vais parler du gameplay, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire en fait du gameplay. La manipulation, elle est excellente, parfaite. Il saute quand j'appuie sur le bouton, il saute pas après, une seconde après, parce qu'il y a des jeux qui à l'époque n'étaient pas maniables, ça énervait les gens et tout. Le dessin animé. Là, nous devons toucher deux fois
la hyène comme dans le dessin animé. Hop. En fait, il faut qu'elle soit essoufflée pour qu'on puisse lui sauter dessus. Alors là, c'est un petit bonus. Nous devons manger le maximum d'insectes. Avec Pumba. Mais au bout d'un moment, c'est énervant. Parce que ça va très très vite. C'est Timo qui nous lance ces insectes. Ouais, j'en ai mangé 36. Ah, je vous laisse un peu la musique, tu arrêtes de parler. La version Mega Drive, déjà que les dessins sont magnifiques, ça rend bien la musique du film, on connaît bien, et ce monde il est dur, il est chiant surtout, et surtout c'est que sur Super Nintendo, moi je trouve que ça reprend pas le dessin animé, et les musiques sont moins bonnes. Que sur Mega Drive sur Super Nintendo, là tu es vraiment dans l'univers du Roi Lion quand tu avais vu le dessin animé. Donc, alors là, nous sommes sur l'autruche. Là c'est dur quand même, c'est énervant. Oh mais... Je sais pas ce que j'ai foutu. Après moi... Je vous donne mon opinion personnelle. Enfin, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais c'est un bon conseil. Moi, perso, je vous conseille les jeux Disney comme Le Roi Lion et tout, de les prendre sur Mega Drive. Hein. Parce que elle a la capacité, elle a les... Bon, c'est leur exprès. Après, c'est le choix personnel. Bon. Mais le jeu, je vous le recommande, c'est un très bon jeu. L'inconvénient, c'est qu'il est dur. Et comme on dit, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Ah. On voit Rafiki quand on a perdu. Laissez-les continuer. Vous avez vu, je continue, donc il est content. C'est moi Simba, c'est moi le roi. Royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poids. Donc alors quand j'ai reçu sur le singe, en fait si je le fais pas, il va m'envoyer dans la mauvaise direction. C'est pour ça que je le fais. C'est
dur. C'est ça. Hop. Faut qu'il soit vers la droite en fait. Pas vers la gauche. Au moment où on renvoie vers la gauche, ça ne fait pas la bonne direction. Jamais passé ce monde. Donc si j'y arrive là, oh mince, ah mais mince, c'est n'importe quoi là. Thank you.
gamer, du coup, on est obligé de recommencer tout du début. Bon, ben, j'ai pas pu aller loin, mais j'ai jamais passé ce niveau. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je vous en conseille, c'est que si vous avez une Mega Drive pour les enfants, des petits jeunes d'aujourd'hui, bon, c'est la version Mega Drive, parce que la version Super NES, ça ne trouve pas aussi meilleur que la version Mega Drive. Donc voilà pour cette vidéo de test de Noël sur le Royaume. Bon, ben alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.